Ah, c'est réel, c'est réel, c'est réel. L'équipe, c'est réel. Pour une fois, c'est pas un titre putaclic. J'ai gagné ma première affaire. Officiellement, c'est fait. J'ai pu constater de mes propres yeux l'emprise qu'avait le droit sur le réel. Et il est pas des moindres. En témoigne la taille de la quichta. D'habitude, c'est pas un truc que je fais, tu vois. C'est quelque chose qui se montre pas. Et bon, là, je la sors de la sacoche. Rien que pour toi. Ouais. Est-ce qu'on peut observer? Oh là là. Ah, c'est réel. Je vous promets que c'est réel. C'est incroyable. Eh, je suis refait. Mais vous pouvez même pas imaginer comment. C'est pas transmissible derrière une caméra. Parce que c'est ça dont j'avais besoin en fait. C'est plus de pragmatisme. Quelque chose qui peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. C'est enfin avoir des affaires concrètes. Eh, j'ai sauté trop d'étapes. Vous savez, on est déjà dans le grand bain, dans la pratique. Et quoi de mieux que pouvoir mettre ses connaissances au service de la famille? Non, c'est lourd. Je vous promets, je suis trop content. De toute façon, j'ai tourné la vidéo. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Là, pour le coup, c'est vraiment de la pratique. Tu vois les conséquences de ce que t'étudies. En fait, c'est vraiment se dire qu'avec ce que j'ai appris, je peux l'appliquer dans la vie réelle et aller chercher des sommes, tu vois. Aller récupérer ce qui est dû, en fait. Parce que clairement, tu vois, on n'a rien volé. De toute façon, vous allez comprendre. Je vous laisse avec la vidéo. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît. Vous, ça vous coûte rien. C'est juste en dessous. Tu scrolles avec la souris, tu poses ton like, c'est 2 secondes. Et moi, ça permet de mieux me référencer. Comme ça, je me poserai plus 3000 questions sur mon avenir. Si ça pète, ça y est, c'est réglé. Donc, n'hésitez pas. Commentaire, like, comme ça, c'est fait. À 400 likes, rien du tout. À 400 likes, rien du tout. Parce que tu vois, c'est pas les affaires comme ça, c'est pas aux doigts mouillés. En vrai, 300 likes pour une victoire comme celle-ci, c'est jouable. Je vous laisse mettre votre like. Bref, prenez soin de vous, la mif. Je vous laisse avec la vidéo. Peut-être je vais faire des petites interventions. Bref. L'équipe, bien ou quoi? J'espère que vous allez tous bien. On est reparti, nouvelle vidéo dans la tube comme d'habitude. Sauf que, contrairement à d'habitude, je suis avec un invité d'honneur. Applaudissements, bien évidemment. Bien évidemment. Non, bref. Bien ou quoi? Tranquillement, Ibé, je te laisse t'introduire. Alors, je me présente, je m'appelle Ibrahim. Vous me connaissez sous le nom de Iblo, vous pouvez me retrouver sur Insta, Ibloka. Je suis un jeune rappeur, je suis parti d'un groupe, la Dex, évidemment. Vous pouvez également retrouver tout, YouTube, Insta, tout est là. Extrait, extrait tout de suite, jugé par vous-même. Nouvelle location, j'ai cartonné. La caution a sauté, faut que je refasse habiller. Moi, personne m'a rien donné. Je suis venu, je suis rentré, j'ai tout pris, j'ai volé. On déboule à ta soirée à 6-7. On casse ta pas pour venir prendre le succès. Tout ça se passe au 8ème étage. On dérange le bâtiment d'en face. Je suis dans le bas, je fais mes sous. Laissez. Je suis un ami de très longue date. Ça date carrément, c'est même plus. La seule chose dont je me rappelle, c'est la sacoche. Ah oui, la fameuse sacoche. La sacoche, et ça. Bon, on va pas trop s'attarder sur le sujet, comme vous l'avez vu. L'accoutrement là, mais en vrai, je vous jure, j'ai mis ça, mes frères. La vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas le moine. On va enlever ça tout de suite. Parce qu'on est ici pour parler juridique. Je me suis dit peut-être c'était mieux de mettre ça, mais en fait, pas du tout. Parce que le savoir, il est là. Il est pas dans l'accoutrement. Pourquoi on est là actuellement? C'est très très simple. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une semaine, j'avais fait cette story. Tout est bon. Dossier presque. Ficelé, c'est ici. Je vous ai dit, on prend les expériences concrètes. Tout est ici, tout est bon. Dis-leur juste qu'on va le manger. Ouais. Là, j'ai maître pigeonnet à mes côtés. Tout va bien se passer. Est-ce que tu dors sur tes deux oreilles ou pas? Sur mes deux oreilles. Je dors sur mes oreilles. Entre temps, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, déjà, si vous regardez bien, déjà, pour commencer, tu vois, non, posons les choses dès le début. Déjà, il y a eu ça. Mais il y a eu autre chose. Il s'avère que mon très cher ami, juste ici, ça bouge pas, a cassé la baraque. Et à démonter à lui seul une entreprise. Oh, non, là tu vois, pour le coup c'est à moi des trucs. Non, bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, est-ce que tu veux nous raconter rapidement ce qui s'est passé avant que. Bon, il s'est passé que, voilà, comme on est en période de confinement, je suis chez moi, je m'ennuie, j'ai besoin de travailler, tu vois, pour me changer les esprits et me faire un petit billet aussi. J'ai trouvé un travail pour une société de livraison qui travaille pour Amazon. Dont on taira le nom ici. Voilà, dont on taira le nom, le nom de. Voilà, en gros, j'ai bossé pour un certain patron. J'ai travaillé pour lui 2 semaines environ. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, c'était 10 jours pour être plus précis. Ouais, 10 jours, j'ai voulu arrêter, monsieur a fait le rageux, donc il a pas voulu me payer. Exactement, on peut le dire. Voilà. Moi, je me connais, j'aurais pu aller toquer à sa porte, faire un truc, mais je me suis dit, si quelqu'un veut pas te payer, c'est pas en appelant à la violence que... C'est ça, il a bien réagi, hein. C'est pas pour... Non, mais après, il a vraiment eu raison. Il a pas répondu à la violence économique par la violence physique, parce que clairement, c'est de la violence économique, tu vois. Le salaire, c'est ce qui est dû au salarié. Donc, concrètement, à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que je suis assidu en cours. Le matin, je me lève à 8h, je vais à tous les cours, je prends tous les cours en note, je valide avec mention. Donc il s'est dit, on va l'appeler, tu vois. À partir de là, on s'est retrouvé, on a fait quoi? En 3 rendez-vous, je crois. Des petits fast-time, des rendez-vous, on s'est appelé, tout ça. Il m'a expliqué la situation. Je lui ai dit, mon ref, je le prends en charge. Rappelle-toi le premier jour quand tu m'as vu. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, moi je vais rentrer chez moi, je vais rechercher 2 petits trucs, je te rappelle, je te dis ce qu'on peut faire. Je suis rentré, on a discuté, on avait les éléments, tu vois, à remettre en contexte. Et bah voilà, non,
s'est retrouvé plusieurs fois. On a fait ça et là, ce que j'ai fait, j'ai ressorti mes cours. Tu vois tout ce que j'ai suivi cette année. Monsieur Ray, si vous regardez la vidéo, je doute que vous passiez par là, mais si vous regardez, j'ai réappliqué à la lettre ce qu'on avait vu. J'ai sorti tous les articles. Tout. La lettre, elle est juste ici. On va flouter les blazes, mais la lettre, elle est juste ici. Pour le coup, c'était vraiment, on pouvait jouer le travail dissimulé, même si ça allait être compliqué à faire reconnaître. Ouais, sur ça, petite précision, parce que là, je me suis pas attardé outre mesure sur les faits en l'espèce, mais c'est un classique. Tu vois, c'est pour l'employeur. En fait, c'est vraiment bénéf de pas déclarer le salarié parce que bah il s'épargne le fait de devoir payer les cotisations sociales, donc le salaire en brut, il paye seulement le salaire en net. Et croyez-moi, la différence, elle est énorme. Parce que quand vous êtes salarié et que vous touchez 1 500 euros, dites-vous bien qu'en brut, ça représente mais beaucoup plus. Et c'est cette différence-là qui fait que vous cotisez pour votre retraite, pour les différents congés, congés maternité, congés payés, arrêt maladie, tout ce que vous voulez. Mais du coup, l'employeur doit s'acquitter des charges patronales. Évidemment, pour eux, payer au black sans déclarer, c'est une aubaine. Sauf que pour le salarié, vous l'aurez compris, c'est tout sauf bénéf. Et parfois même, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire au salarié, voilà, plutôt que de te payer 1 500, je te paye 2 000 et t'es gagnant. Sauf que non, il est pas du tout gagnant. Mais bref, voilà, comme je vous dis, c'est un classique. Et bah, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Donc, absence de déclaration d'embauche auprès de l'administration fiscale, de l'URSSAF, de la sécurité sociale, absence de remise de bulletin de paie, tout le classique d'un travail au noir. Et là, il y a deux solutions. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a eu une relation de travail et qu'on prouve l'existence d'un contrat de travail, parce que là, en l'occurrence, il n'y avait pas de contrat de travail, mais on peut le faire reconnaître par le faisceau d'indices, différents éléments, c'est gagné. Parce que conformément aux dispositions des articles L3242-1, si je dis pas de bêtises, la rémunération des salariés est obligatoire, mensuelle, et ce, indépendamment du nombre de jours effectués ou quoi. À partir du moment où on a une journée de travail, il y a un salaire qui est dû, tout simplement. Quand bien même le salarié décide de démissionner, il devra peut-être payer à l'employeur le préavis, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, pour les jours de travail qu'il aura effectués, l'employeur doit lui verser les salaires afférents. Bah voilà, j'arrête de détailler outre mesure. L'enjeu, en fait, il fallait faire reconnaître l'existence du contrat de travail. Et donc, on avait des SMS, on avait une attestation de déplacement dérogatoire, on avait plein d'éléments qui, justement, par le faisceau d'indice, le but c'était de convaincre le juge. C'est ce qu'on a mis dans la lettre, donc moi je lui ai sorti tout. Bah, pareil, travail dissimulé, j'ai joué la carte du travail dissimulé parce que, bah en fait, le travail dissimulé, la seule différence c'est qu'il faut démontrer une intentionnalité parce que c'est un délit pénal, donc l'intention de commettre le délit. Et là, en l'occurrence, on pouvait jouer sur le fait qu'il lui a dit au début que voilà, lui ça l'arrangeait de le faire travailler au black. Donc, bref, je vous ai pas les détails, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous resituer le contexte. Je vous laisse avec la suite. Pour le coup, c'était vraiment la totale et il a refusé de le payer à la fin. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a envoyé courrier recommandé, appel, enfin, même pas appel en vrai, non, on lui a envoyé directement courrier recommandé. C'est un courrier recommandé. Et il a pris peur. Il était tout doux. Est-ce que tu veux au téléphone? Dis-nous comment il était concrètement. Oh, au téléphone, monsieur avait une voix mielleuse. Clairement. <C'était>... Je sais plus si c'était. C'était Dad ou Dadjou. J'entendais. Oh, ah. Ah non, au téléphone, il était tout doux. Et pour le coup, bah en fait, entre la première fois où tu l'avais appelé, où il avait joué justement le fait sur le fait qu'il n'y avait pas de contrat de travail, ouais. Donc on se connaît pas, etc. Et quand il a reçu le courrier, il l'a rappelé illico presto, au tac, courrier recommandé, on l'a vu de toute façon qu'il avait reçu. Et bah on a réussi à négocier ça à l'amiable. Donc, conclusion de tout ça, quand vous avez une galère, que ce soit bah, dans n'importe quel domaine, là c'était du droit du travail, mais ça peut être dans la vie de tous les jours, tu vois, avec votre assurance, votre opérateur téléphonique, ne jamais se laisser faire. Déjà, bah il faut agir de manière astucieuse parce que Ibrahim, il aurait pu faire ce qu'il a dit au début, mais. C'était pas la bonne solution parce que derrière il y a les représailles, il y a les trucs, les retombées. Donc ne jamais faire ça, utilisez vos droits, tu vois, et mettez ça en avant. Et bah là, c'est exactement ce qu'on a fait. Et ça s'est bien fini. Donc franchement, je suis grave content parce qu'en soi, on partait pour zéro à la base. Il voulait rien lui donner, il voulait rien savoir. Et bah là, on a juste parlé juridique, tu vois ce que je veux dire. L'accoutrement, vous l'avez vu au début, on a juste parlé droit, tu vois. Donc bah voilà, c'était la petite conclusion de la vidéo. C'était une petite vidéo rapide pour vous dire aussi qu'il y a mon adresse mail professionnelle dans la description si vous avez des affaires. Pour la famille, c'est gratuit, bien évidemment. Si vous êtes là déjà de longue date, n'hésitez pas à vous. Plaisir aussi d'apparaître sur ta chaîne YouTube. Depuis, je voulais les ramener, depuis, je voulais les ramener dans une ancienne vidéo quand j'étais avec Soulé et Scander, ouais. Mais il était pas là, il est occupé. Dédicace à Scander. Ils sont là, de toute façon, ils savent. Grosse force à vous, les refs. Bref, prenez soin de vous, la mif. On se tient au jus. Dans le prochain épisode. Bon, bah, on y est, hein, départ. Ah ouais, t'as pris une petite couchée. Je vais me persuader ça. Alors, il est. Et non, carrément, il est sur deux étages. À deux doigts. Là, on peut pas partir. On est en France ou pas là? Oh la 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 la! Il y a Netflix! C'est pas stylé! Un loxé des îles! Oh le chisme est loxé! C'était ça!